Und du? Und die? Ja, wo bist du denn? Raidon! Belke Salone, Seigneur! Alléluia! C'est pourquoi la Bible dit: vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. L'apôtre Paul qui est allé au troisième ciel, Paul, qui a vu tant de choses, ça, il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que la chair et le sang permettent d'hériter le royaume du ciel. Vous pouvez lui présenter le péché. Il ne connaît pas les péchés. Il n'a jamais vu ça. Donc il ne peut pas être corrompu. Corruption. La Bible dit: nous serons comme lui. Jésus. Mon serviteur. Mein Diener. Rien. Nix. Personne. Keiner. Ne tiendra devant toi. Josué a vu. Joshua. Tout ce que Moïse a fait. Alles was Mose tat. De ses propres yeux. Von seinen eigenen Augen. Il a vu Moïse ouvrir la mer. Er sah wie Mose das Meer teilte. De ses propres yeux. Von seinen Augen. Il a vu Moïse frapper sur le rocher et l'eau sortir. Mose de Josué était étonné. Joshua voir tout ce qui s'est passé par le même de Moïse. Je crois qu'ils se posaient des questions. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir la même chose passer. Jésus marchait avec le douze. Jésus opérait de miracles. Le mort ressuscitait. Maître, Herr, enseigne-nous comment prier. Wie man beten kann. Parce que les choses que tu fais, die Dinge, die du tust, ça ne vient que de là-bas. Kommen nur von dort. Alléluia! Amen. Mon serviteur, meine Diener, maintenant, jetzt, si tu veux réussir, wenn du Sieg haben möchtest, comme Moïse, wie Mose, mange. Ist das Rollenschrift. Alléluia. Amen. Avant que ce que le mange, et Ezekiel est à Josué l'avait mangé. Joshua hat es aufgegessen. C'est rouleau du livre. Diese Schrift rollen. Ne s'éloigne point de ta bouche. Soll nicht von deinem Mund sich entfernen. Le jour et lis es nachts und tag. C'est alors que tu réussis. Nun dann werdest du Fortschritte machen. In allem, was du unternehmen wirst. Le nom de Jésus veut dire quoi? Name Jesus bedeutet. Le nom de Jésus. Le Name Jesus. Seulement un nom. Ist nicht nur ein Name. Mais je vous ai dit l'autre jour. Ich habe es letztes Mal gesagt. Que dans ce monde. In diese Welt. Tout ce que vous voyez. Alles was ihr hier seht. Visible comme invisible. Sichtbar oder unsichtbar. Porte un nom. Hat ein Name. Derrière chaque nom, il y a quelque chose. Gibt es etwas. Derrière chaque nom, il y a une identité. Es gibt eine Identität. Derrière chaque nom, il y a une puissance. Es gibt eine Macht. Chaque chose qui est sur la surface de la terre auf diese Erde porte une puissance. Hat eine Kraft. Très sœur, les arbres que vous voyez, Bäume, die ihr seht, haben verstecken in sich auch Kraft. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Les arbres là vous protègent. Die Bäume, die schützen euch. Les arbres vous voyez. Die Bäume, die ihr da seht. Dieu les a établis. Gott hat den hingestellt. Dieu leur a donné la puissance. Und Gott hat denen auch Kraft gegeben. Vous savez ça? Oder Macht. Wisst ihr das? C'est simple. Je vais vous éclairer. Vous faites des maisons en béton. Ihr baut da Häuser.
Mais s'il n'y a pas ces arbres-là, le vent viendra faire tomber vos maisons. Alléluia. Est-ce que j'ai dit vrai ou faux? Hein? Les arbres ralentissent la puissance du vent. Die Bäume, die vernichten oder bremsen die Kraft oder die Stärke des Windes. Um die Kraft des Windes zu bremsen, muss man die Kraft haben. Und manchmal sogar Bäume fallen selbst runter. Les arbres se sacrifient pour das heißt, die Bäume, die opfern sich für euch. Acclamons Jésus. Le nom de Jésus veut dire tout simplement éternel sauve. Herr, heile, rette. Alléluia. Amen. Acclamons-le encore. Éternel sauve. Rette. La parole de Dieu. Gottes Wort. Toute la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse. Vom Genèse bis zur Offenbarung. C'est éternel. Ist Ewigkeit. Éternel. Ewigkeit. De Genèse à Apocalypse. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Éternel. Ist Ewigkeit. Vous avez déjà lu ça? Habt ihr das schon mal gelesen? Vous n'avez pas encore lu ça? Habt ihr das noch nicht gelesen? La Bible dit ceci. Die Bibel sagt uns. Le ciel et la terre passeront. Himmel und Erde wird vorübergehen. Mais ma parole. Aber mein Wort. Est éternel. Ist als Ewigkeit. Est éternel. Ewigkeit. Tu veux devenir éternel? Willst du Ewigkeit werden? Je suis que l'homme de Galilée presse de mieux. Jesus aus Galiléa, der Herrscher des Friedens. C'est un homme qui parlait en parabole. Il dit, celui qui croit en moi mich glaubt, ne mourra point, wird nicht sterben, mais aura la vie éternelle. Paulus, l'homme de révélation, der Mensch des Offenbarung, il va aller plus loin. Ging noch einen Schritt weiter. Il va dire ceci. Der sagte dies, si quelqu'un est en Christ, einer, der in Christ ist, est devenu une nouvelle, ist eine neue Kreatur geworden. Les choses anciennes sont alte Dinge sind vorbei. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ma quand tu as son temps, jetzt, ma quand tu le Seigneur l'amène encore plus loin. Der Herr bringt ihm noch Schritt. Paul est passé. Denn Paulus ist vorbei. Mais Jésus-Christ n'est aber pas Jesus passé. Wird nie vorbeigehen. Le Saint-Esprit n'est pas Heilige passé. Wird nie vorbeigehen. Si quelqu'un est en Christ, einer, der in Christus ist, est devenu eine neue. Je vais me rendre à Berlin. Ich gehe nach Berlin. Le billet coûte 95 euros. Und das Ticket kostet 95 euros. Est-ce qu'il sera impossible de me rendre à Berlin? Wird das unmöglich in Berlin zu kommen? Non. Non. Nein. J'ai 100 euros dans ma poche. Ich habe 100 euros in meiner Tasche. Mais je ne connais pas les héros. Aber ich kenne keine. Je ne sais pas que ces héros peuvent m'aider pour me rendre. J'arrive à la gare. Ich gehe zum Bahnhof. Je ne sais pas que j'ai mon billet dans ma poche. Weiß nicht mal, dass es mein Ticket in die Tasche steckt. Est-ce que j'aurai le courage de faire sortir cet argent pour payer? Werde ich die Kraft oder viele das Geld rauszubringen und Ticket zu kaufen? Amen. Amen.
Mon peuple est péri parce que wegen das Mangel an Wissen. Nous ne comprenons pas ces passages. Nous croyons que Dieu nous tue parce que nous manquons la connaissance. Wir denken, dass Gott uns umbringt, weil wir das Wissen nicht haben. Joshua, si tu ne manges pas ces rôles, wenn du das Rolle nicht aufgibst, il te sera difficile d'ouvrir la mer. Es werde dir schwer sein. Il te sera difficile d'ouvrir le Jourdain. Du wirst nicht schaffen, Judah, si tu veux ouvrir le Jourdain. Wenn du es teilen möchtest, si tu veux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Das Berge, Befehl geben möchtest. Il te faut ce rouleau du livre. Du brauchst das Schrift. Tu le négliges. Wenn du es nicht tu négliges ta délivrance. Du achtest deine Befreiung. Si tu négliges ce rouleau du livre. Wenn du das Schrift tu négliges le nom de Jésus-Christ. Dann achtest du auch si tu négliges ce rouleau du livre. Wenn du das Schrift tu négliges la puissance du nom de Jésus. Dann achtest du auch nicht auf die Macht. Si tu négliges la puissance du nom de Jésus. Tu négliges ta propre puissance. Tu négliges ta propre puissance. Tu laisses à tes ennemis de te dominer. Et si tes ennemis te dominent, alors tu es malheureux de ta vie. Il y avait un rouleau sur la main de celui qui est assis sur le trône.